On va refaire un. On va refaire un. Donc là, on gagne plein de thunes en plus. Gas Forti Creature Spell. Ouais, bon, pour 750, on va les garder. Je vais pas toujours faire 7 wins, hein, loin de là. Hein. Mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est les cartes. On veut des cartes. Cartes de merde, mais des cartes. En jouant ce land, le pain. Alors, je pense que je suis en retard pour ce commentaire-là. Après, le coup des landes, des fausses infos en main, disons que généralement, quand l'adversaire est dans une situation précaire, de toute façon, peu importe ce que vous pouvez représenter, il va jouer en mode, de toute façon, si celui-là, j'ai perdu. Donc, ton bluff, remettre le land, quoi. Parfois, ça vaut le coup quand c'est très tendu, mais quand c'est pas tendu. Ah! La combo! La combo! Non! Don't do this to me! Bon alors, toi tu t'en vas, hein. Toi tu t'en vas tout de suite, monsieur. Là, on va en land noir. On va en land de type marée avant de perdre bêtement sur ça. C'est chiant ça, hein. On va perdre rapidement avec cette histoire là. Donne-moi un land noir. Parce que perdre comme ça, code là-dessus, ça me ferait bien, bien chier. Pour de vrai, hein. Ah ouais. Eh ben là, on a perdu en fait. On a perdu sur le pire truc de la Terre. Waouh. Waouh. Alors, on n'a pas perdu. On n'est pas loin, mais on n'a pas perdu. On est quand même pas loin. C'est triste. Parce que du coup, il va mettre ça là-dessus. Waouh. Ben ouais. C'est une belle horreur qu'on nous avons là. Mon dieu. On peut plus rien faire, on a loupé notre land noir. Alors, en vrai, c'est le genre de deck qu'on doit éclater, mais pas aujourd'hui. Not today. Nice. Belle sortie, belle sortie. Deux gods en free to play, trop de chance. Non? Je les ai craftés moi-même? Comment ça, trop de chance? Free to play veut pas dire à poil, hein? Je les ai craftés moi-même? Pourquoi trop de chance? Je les ai pas ouverts, hein? Là, je crois qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est comment Zen Game que j'ai ouvert, je crois. La seule rare qui est dans mon deck que j'ai ouvert, c'est comment Zen Game. Non, là, c'est tout crafté. Il me semble. Oula. Oula, on est dans la 20e dimension, là. Attends. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mon ouverture a été moyenne. Hein. Très moyenne même. Merci beaucoup pour le sub Karian. Deuxième mois d'abonnement avec Twitch Prime. Non, il n'y a pas de Gore de Blaze dans liste. On peut en mettre, mais j'en ai pas looté, j'en ai pas crafté. Je ressens pas vraiment le besoin de jouer ça en fait. Là, faut bien comprendre que si... Faut que j'attende un tour, en fait. Là, il faut rien faire. S'il veut canonade ça... Faut target land. Ouais. On va rien faire. Parce que si je fais Hunter de Godetaraz là-dessus... En réponse, s'il fait canonade, je perds ça. J'aurai une 4-4, mais qui va pas attaquer. Alors que là, je peux le brine. Parce que s'il décide de faire canonade maintenant pour pas que ça grossisse plus... On va negate sa...
sa canonnade et ça a bien se passé. Ok. Ah, j'ai une Lyanna, ouais. Non, je l'ai crafté, Lyanna. Hein. Je l'ai crafté moi-même, hein, pour le coup. Les mythiques que j'ai crafté deux Kefnet, une Lyanna, c'est tout. C'est Ugin, je crois, que je gouverne, je sais plus. Franchement, je sais plus. Est-ce que... Wow. Et du coup, si... What the fuck is going on? On va rencontrer un déjà, c'est sûr. Too bad! Eh les gars, j'ai fait un jeu casse-terrain, ça va être rigolo. Ah mais t'es pas drôle, tu te décontres. Alors j'avoue, je l'ai pas vu venir. Hein. Mais ça marche aussi. Ouais, j'ai ouvert Ugin, c'est ça. C'est Ugin que j'ai ouvert en rare. Et je crois que c'est... J'ai ouvert un Ugin, un Hunter de God, je crois. Je crois que c'est ça que j'ai ouvert exactement. Mais je suis pas sûr. Ugin, c'est sûr. Comment Zengame, c'est sûr. J'en ai même ouvert deux. Parce que j'en ai pas crafté. Après, je sais plus. Omega Tewawa. Omega Tewawa. Quand on le dit rapidement, le bégaye est 6 soir. Ouais, j'ai un droit de Dreadnought Nuage Jeune. Mais Dreadnought Nuage Jeune n'est pas dans mon deck final. Et même pas dans les 75. C'est juste que c'est ok en fait. Et ouais, c'est ok comme carte. Ouais, alors ok Trash, je ne peux absolument pas gérer ça. Trash là, t'as pas de blanc, jette là, t'as pas de blanc, Michel. Ils sont pas les... Voilà, ça c'est bien ça. Yeah. 7 seconds away. Je le fais parce que les 3 points de dégâts ils sont quand même assez importants là. Pourtant ça je m'en fiche un peu pour le moment. Voilà. Parfait. Ouais c'est ok dans l'enchantement. C'est pas fou mais c'est ok. Bah dis donc, t'en as des gros arbres toi. Mais non, c'est pas pété, Kefnet. C'est très sympa, Kefnet. Laisse mon oiseau tranquille. Y a pas de rituel dessus dans le deck. On peut en mettre, hein. C'est pas nécessaire, la preuve, mais... On peut en mettre un. On va tuer ça. Je sais pas ce que t'as dans la main, mais quelque chose me dit que ce sont des cartes blanches. Ah ouais, toi t'es du genre à faire des crasis. Je vois le genre. Get out of my mind.
On a vu que Brassas Contempt c'était quand même assez important pour nous. Je pense qu'il le trash là-dessus. Le trash. Oh, nice. Oui, monsieur. Regardez ce qui se passe dans ta main, s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît, hein. J'ai dit s'il te plaît. Waouh. Oh, t'es pas un gars sympa, toi. T'es pas un gars sympa. Ah, attention, parce que là, du coup, il va Teferi, moins 3, Kefnet. Chiant, en fait. C'est pété Hydre, hein, parce que j'étais super devant, et je me retrouve super derrière. Teferi de Semer. J'aurais vraiment dû le faire, le Contempt. Là, c'est trop de pression, en fait. C'est 5 points de dégâts, plus le fait de dépenser 4 points de dégâts plus tard. Je voulais pas le faire, parce que j'ai... Je pense que j'ai overvalué ça. Je voulais pas faire ça. Je vais garder ça. Je pense qu'il va garder en tout cas. Ouais, c'était pas bien joué parce que là maintenant il va juste me rusher. Hein. Il a raison. Hein. J'ai mal joué. Ça, il fallait vraiment le Contempt. Hein. C'est une grosse erreur. Hein. Une grosse erreur. Là où c'est pas de chance pour nous, c'est qu'il a mis exactement deux bêtes parce que. Du coup. On peut plus Liliana, parce que si on Liliana... Si on peut Liliana, mais il nous la tue. Il est pas fou, quand même. Et si je mets la 4-5, il va juste mettre l'autre. Donc je suis obligé de Liliana, en fait, pour la value. Je fais Contempt, maintenant, il se passe quoi? Si je fais ça, plus 1, il se passe quoi? Commence the endgame pour faire le plus gros truc. Et je prends 8 encore, je suis quasiment mort dessus en fait. Pas facile là. Il gagne moins 3, ça fait pas grand chose, il gagne moins 3. Hein. Il gagne moins 3 là-dessus, il va remettre une bête, puis après, il va attaquer. Pas grand chose, il gagne moins 3. Hein. Braska sur le deuxième serpent, il y en a. What? Mais ça marche pas, je sais pas de quoi vous parlez là. Je pense que c'est ça le play, moi. Ugin moins 3, si je fais Ugin moins 3 là-dessus, d'accord, admettons que je fais Ugin moins 3 là-dessus. Il va en tuer, il va le tuer avec ça, il va mettre 3, il va mettre encore une troisième bête, il y aura 3 bêtes. D'ailleurs, je fais Liliana, il y aura toujours au moins une bête. Ça me paraît impossible. Ouais, mon erreur, c'est de pas avoir Contempt ça, parce que ça vaut 10 points de dégâts, elle est là, mon erreur. Et là, je me suis retenu parce que j'ai qu'un seul Contempt dans le deck, mais j'aurais dû Contempt ça. Là, on est trop derrière à cause de ça, hein, de ce choix-là. Hein. Encore une fois, Sperl, mon deck il est là. Hein. Simplement. Hein. Il doit même être affiché là. Hein. Enfin, sauf si vous êtes sur mobile. Hein. Je peux faire les deux, je peux garder elle en vie. Quatre, cinq, six, sept, c'est ça. Je peux faire ça plus ça. Je peux faire Ugin moins 3 là-dessus, mais c'est pas fou. Je pense qu'il faut commencer par Contempt là, hein, essayer de stabiliser ça. Hein. Je peux faire Contempt et Cry en fait, tout simplement, je suis trop bête. Ça le plaît, hein. Yep, c'est ça le plaît. C'est chiant, mais c'est ça le plaît. On va y arriver. Bah
Enfin, je sais pas si je perds à cause de ça, mais en tout cas, je me retrouve dans cette, dans ce déficit de tempo à cause de ce choix de pas avoir contempt l'hydre. Parce que si je fais ce choix-là, la Lignana, elle détruit tout, il n'y a plus aucune pression, elle meurt pas, ça change toute la game, en fait. Je pense que là, le play, c'est Ugin plus 1. Ugin plus 1, ça veut dire que s'il veut dégager le token, il faut qu'il moins 3 le Teferi. Ah, c'est ça le play. Et dans tous les cas, il me le tue pas. Ouais. Alors, on aurait pu également faire Ugin moins 3, hein, sur ça. Mais... je pense pas que ce soit ok. On joue Gate. J'ai un compte free to play, je joue ce que j'ai. Ouais, ça fait mal. Quel monde tu fais ça? Blocks, en fait. Pourquoi un peu budget? C'est pas un peu budget, ce compte il a 4 jours. Hein. Genre c'est la série spéciale sur le stream, ce compte il a exactement 4 jours. En fait. Et j'ai pas mis un seul centime dedans. Hein. Ça le plaît. Montre-moi ton land. Quel... J'ai fait des vidéos YouTube, Théoc, là. Genre, il y a deux vidéos YouTube qui montrent le processus, hein. C'est énorme. Ça va nous tuer parce qu'il va faire moins 3 sur l'hydre, on pourra pas revenir, faut qu'on pioche Narset. Exactement Narset, bah ouais. On pioche exactement Narset. Il en reste un de Narset, hein. Il reste 4 je crois. Faut y piocher. C'est quand même pas compliqué le jeu. Parce que je pense que deck... Oui, bon. Il y a... C'est quoi? C'est 3 decks Phoenix qui ont fait top 16 ce week-end. Un très bon deck Phoenix. C'est du B1. Oui, ça, c'est du B1. Ok, Trade, t'es un bon choix aussi. Là, le problème pour nous, c'est justement qu'on peut pas le défausser ce qu'il récupère, quoi. Mais bon. On reste ok, hein. Parce que là, son hydre, elle est grosse, mais elle fait pas piocher grâce à Narset. Ouais, là. Et ça, c'est... Alors là, tu vas vraiment pas jouer l'hydre? Il va vraiment pas jouer l'hydre? Tu... What the fuck? Mais... Michel? Mais...
What? Et t'es un grand malade? T'es fou dans ta tête, non? À présent. Oh, j'ai un play, c'est du génie. Ça marche? Attends. Oh, j'ai un play, c'est du génie. C'est assez, hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, ça marche. Jarre de là. Dude, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Get you! Mon Dieu! Wow, il y a une donation de je sais pas qui, je sais pas où. C'est qui? Ah, Eteok qui me donne une donation de 10 euros. Ben merci beaucoup, Eteok. Bien sympathique. Merci beaucoup pour la donation. Ça fait beaucoup de pain au chocolat, ça. Ça fait beaucoup d'eau aussi. Merci beaucoup. C'est une belle game. C'était une erreur quand même le Brassless qu'on t'aime pas fait. Hein. Là, on a vu la perte de tempo incroyable et à la fin, j'ai quand même Brassless qu'on t'aime plus. Donc. En dis pain au chocolat. C'est mon stream, je dis qu'est-ce que je veux. C'est une main, c'est une main de type t'as pas un land. T'as pas un land noir. Eddie, t'as pas un land noir. C'est triste, hein. Comme Mulligan, hein. Mulligan, ça, c'est pas possible de garder. Très bien. Mais ils sont là, les landes noires. T'as pas un land, t'as pas un land bleu. Ah voilà. Non, mais il suffit de demander gentiment, en fait. Un deuxième après. On n'a pas vraiment la main pour battre mono rouge, mais ah, tu me la mets face à Lightning Strike que je négate pas. Il a hésité. Hein. C'est dit, est-ce que je face tout de suite ou est-ce que je face plus tard? Chain Whirler. Et cet homme n'a que des spells dans la main. Là, on va commencer à voir Lightning Strike, Shock, Lightning Strike. Oh! Je sais pas pourquoi tu joues ça. Mais rien à foutre, je veux pas le voir. Non, j'ai pas envie. Land bleu! Presque. Ah, oh, si on avait slamé la Kefnet là. Non, land bleu! Faut garder ça, faut pas garder ça, lampe bleue. Fuck.
pistons are painfully slow. Il m'a dit quelque chose, c'est qui à qui j'ai pas répondu, c'est ça? Il y a du... Si vous mettez des messages que j'ai pas répondu, c'est que soit j'ai pas vu, soit j'ai pas vu. C'est le copier-coller deck de tournoi sans savoir jouer. Ah, lui, tu veux dire? Non, il parlait de l'adversaire, je pense. Alors ça, c'est chiant. Mais je m'en fous un peu. Donc c'est le mec qui va jouer Sarkhan, ça, c'est ça? C'est l'histoire d'un mec qui va jouer Sarkhan? Ça sent ça, hein, je vois Sarkhan, l'autre Sarkhan, je veux dire. C'est un mono rouge Planeswalker? Je joue l'enchant de Calamity, je sais pas ce que c'est quoi l'enchant de Calamity. Ça me dit rien en tout cas. Donc, je te dirais que non, mais je vois pas de quoi tu parles exactement donc. Ouais, je suis mal ça. Oh. Oh. Mais il se passe des choses et des trucs ici. Faut quand même que je fasse attention là. Christ, c'est ok, je pense qu'il a des dégâts directs dans la main, donc mon Osage Taker il passera jamais. Donc je pense qu'on va juste faire ça, on va commencer par ça. Pas compliqué, ça fait pas grand chose, on va quand même prendre 3, mais bon. Ah, une fois notre lande bleue, hein. Lande bleue pour faire ça en premier, je pense. Non, non, je pense qu'il parlait du Bant Midrange qui avait pas bien joué. Il a pas bien joué, c'est vrai. Ça embête vraiment parce que je sais qu'il a un... Merde, je sais qu'il a un anti-bet, du coup, mettre le Sage Taker ne sert à rien. Et mettre le Brascasse Contempt, ça me dérange aussi, mais j'adore le faire, hein. C'est pas embêtant, hein. Là, le meilleur draw, ça aurait été un land bleu. On aurait fait comment en endgame, bloquer ça pour attaquer ça derrière. Bref, on aurait pu faire des choses, des trucs, quoi. Je pense que là c'est ouais, dégâts directs, dégâts directs, dégâts directs, dégâts directs, dégâts directs, dégâts... Ouais, des trucs comme ça, ouais. Ah, peut-être un land au milieu. On va le faire. Je vais le regretter si je prends Chandra, mais bon, c'est comme ça. Je suis tellement derrière que de toute façon, je peux pas trop me permettre de prendre des dégâts. Je gagne pas les points de vie, hein, ça me va. Hein. Ça me va. Pas le choix, de toute façon. Ouais, c'est un deck full Planeswalker qui doit jouer Sarkhan quelque part, pourquoi pas. Hein. Il a raison, hein. C'est juste dommage que j'ai... Parce que là, maintenant, on a... Là, maintenant, on a un problème, c'est que comme en endgame, c'est bien sexy, c'est cool, hein. Mais il va juste chumblock avec les tokens de Sally maintenant. Là, il va même en faire maintenant, les tokens. Comme ça. Et du coup, tu ne comptes pas faire entrer un sort... Bah si, j'aimerais bien. Mais j'ai pas la rare, en fait. Pour le moment, j'ai rien. C'est une carte que je jouerai en sideboard, généralement. Dans ce deck. Mais c'est pas ma priorité à crafter. C'est pas un... The Elder Spell n'est pas un spell qui fait fonctionner le deck. C'est un sort de réaction sur le méta. C'est pas ça qui est le plus important. Je crois que j'en ai 3. Ouais, 3, 4, je sais plus. J'ai plus 3, 4, je sais plus. Bah, de toute façon, là, la decklist qui est sur le. Ouais, la decklist qui est sur Stream Decker, c'est la plus récente. Hein. La seule chose que j'ai changé, c'est une Dreadhorde Invasion pour. What the fuck? C'est une Dreadhorde Invasion pour une Negate, là. Parce que je viens de l'ouvrir. Bah, Sally va nous défoncer. Après, il a plus grand chose et je suis encore à 12. Hein. Giffnet, il faut quand même qu'il trouve une réponse à ça, c'est pas si simple, hein. Donc commençons par ça, on va mettre ce land là, on va garder la cruelty up au cas où. Et go. Pas si simple pour lui hein. C'est cette fou.
Ça, j'imagine, c'est-à-dire qu'il a des spells pour la tuer, genre deux chocs, lightning strike, un truc comme ça, mais bon. Comme ça, faut passer à travers, là. Ouais. C'est le pire pour nous, ça. What? On va réussir à fight à travers tout ça. Oui, alors, si, je peux pas poser Narset, hein, parce que j'aimerais récupérer ma Kefnut quand même, ce serait bien. Même s'il y a un monde où en fait il faut quand même le faire, mais. On va commencer par Taker, qui va prendre ça. Il va probablement se prendre une strike, mais bon, c'est comme ça. Quoi? Ok. Donc il a peut-être choc mais il n'est pas strike, c'est ça? C'est un autre coil. J'ai pas Narset tout de suite, ça sert à rien. Ça sert si on voit qu'il joue risque factor par contre. Ça sera trop tard. Ça va être ça. Ok, alors mon adversaire ne sait pas jouer. Alors sachez une chose, quand le Sage Taker est arrivé là, au moment où il arrive et qu'il target le token, si vous faites la strike, il enlève pas le token. Donc il aurait dû avoir un token de plus là. Alors c'était peut-être un choix parce qu'il avait peur qu'il y ait autre chose, mais ça n'a pas de sens. Bien, on a la réponse à ça. Ah ouais. On va prendre un. Ah oui, non, d'accord. Ah, parfait ça. Donc là, ça n'a pas marché. C'est pas mal ce qu'il a fait. En réponse, on va tuer celui-là. Et ça va fizzle. Faut qu'on pioche quelque chose qui nous aide là. Enter de God Eternal, ce serait le mieux, même s'il ne fait pas gagner de points de vie. Ah non, c'est même pas le mieux, ça marche pas. On va faire ça. Est-ce qu'il y a un monde où je fais juste Narset comme ça? Je pense pas, hein. J'aurais dû poser l'autre du coup. On va en prendre encore un là. Momir, t'en penses quoi Bah dis-toi que j'en ai fait zéro. Je déteste le Momir. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils le remettent à chaque fois. Ça pique ça. On est en train de perdre bêtement là. Hein. Le fait d'avoir loupé nos landes au début, c'était vraiment, vraiment pas facile. Ah bon. On est quasiment mort. Oh, c'est cool. C'est con. Ça. Par contre, soit aidé quand même, mais bon. Enter de God Eternal ne fait pas gagner des points de vie, ça fait rien du tout. L'Enter, on va prendre Enter de God Eternal, on va attendre un tour, on va rien jouer du tout. On va pas gagner de points de vie, ça va se faire tuer par Speed Flame. Le Moment of Cramming empêche la CD qui copie un dragon là. Si bas, c'est ce qui nous défonce depuis tout à l'heure. Hein. On serait pas si bas sinon. Faut le faire, on est mort sinon.
Ah, bien ça. Oh, on a peut-être une chance. On a peut-être une chance. On a creusé. On creuse toujours. Ah, puis c'était Hawk, bonne nuit. Ne tue pas mes bêtes. Laisse mes Planeswalkers tranquilles. Quel emmerdeur celui-là. Hein. Ouais, bah ouais. À un moment donné, il faut le faire. Yummy. Land, t'as que 8 landes, Michel. T'as pioché que 8 landes en 25 cartes. La pioche des landes, un peu, là. Ils sont où, tes landes? 9? Il y a 9 landes sorties, là. Tu vas bien en piocher un jour, non? Non? Allez, dis oui, s'il te plaît. Je vais prendre un Benefire de ces morts, là. Mais... C'est ça, gars. Alors ça, c'est la... Okay. On a des balls ou on en a pas, hein. À mon avis, c'est de la folie, mais c'est pas grave. Ouais. Il y a encore deux cry dans notre deck, là. Want to buy, to cry. Ça va, t'as que des montagnes, là. Fais pas chier, là. Voilà. Wesh. Wesh, wesh. Donne-moi papa en land. 4, 8, 9, il y a trop, là. C'est pas là, c'est pas bien là. Montre-moi ta montagne, s'il te plaît. Tellement mort là. 4, 3. C'est la pire idée, la Dreador d'Invasion. Non, je veux pas de land. Tellement mort. Bon bah, je me suis tué, c'était sympa. Ah bah, elle est chiante cette game en vrai là. Mec, il s'est pas pioché des landes. Pioche des landes, comme tout le monde. Non, mais là, on s'est fait emmerder par le... C'est marrant parce que, grosso modo, tout a snowball du manque de bleu. Et voilà. La Lightning Strike, c'est pareil, la top deck. Enfin, c'est passé plein de choses, en fait, dans cette game. Après, un petit Ugin, c'est vite fait, hein. Un petit Ugin. Ugin ! Ugin ! T'es où, Ugin ? Roger ? Ben, on est mort. S'il est pas con, on est mort. Braska sur Tibalt, le seul Braska qu'on t'aime de la liste est déjà passé. Là, on est mort, hein. Il attaque. Il a pas attaqué. On a une chance. On a une chance. Ugin, hein.
Oh! Oh, comme c'est con! Ça quitte. Pourquoi je me heal pas en attaquant avec les zombies? Parce que je lis les cartes! On a perdu, mais il s'en est toujours pas rendu compte. Ugin! Ugin! S'il te plaît! Allez, viens me voir! On fait des cookies! Ugin! Mais ça marche pas. Si ça marche. Non, ça marche pas. Si ça marche. Si ça marche. Ah, il va. Tu n'auras rien! Tu n'auras rien! Tu auras rien! Tu auras rien! Non, t'as pas de spell! T'as que des landes! T'as que des landes! Non, t'as que des landes! On a une chance! On va y arriver! Cette game n'est pas épique! C'est juste dans la tête! Non, non, non! Non! Non, 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 je m'en fous, ça. T'as le droit. Ça, t'as le droit. Pas de problème. Tout va bien. Je vais perdre que dalle. Je suis à 1. À 1, on n'a pas perdu. Non, c'est pas vrai, monsieur. J'ai negate, j'ai gagné. Vous vous dites... Non! Fais pas le con, Michel, hein. Je t'attaque. Toi ou n'importe qui en fait. Ah si, il y a un truc qui me tue. Merde! Non, non, bah non, maintenant je négate. Genre, il n'y a rien qui me tue. Easy! Easy! Voilà, c'est ça qu'on veut. Oh! Oh putain! Oh! Oh! Oh mon dieu! Alors, qu'est-ce que vous en dites de ces boules? Hein? On porte ces boules ici. Ouais, il s'est dit, je laisse passer le token. Oh non! Non, je suis pas mort. Hein. Il voit que je suis pas mort. 4 et 1, 5. Non, je suis pas mort. M'en fous. Ah, je crois. Oh, je suis pas loin. Mais non, je déconne. Tu as piqué toi, hein? Ouais, en fait, je lui mets 10 dans... Non, mais non, en fait, non, je déconne, en fait. Je vais gagner 10, puis après, je vais gagner 9, puis je vais gagner... Non, mais c'est bon, en fait. Ah, je crois. Non, 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 non. Lâche l'affaire, toi. Jarte de la cafard. T'as pas compris comment on est passé à 10? Moi non plus. C'est une histoire là, Bernard Tapie. C'est quelques kilos de burn. Et beaucoup de chat. Bah ça va, il est minuit, hein. Presque. Alors, je t'explique. Ah non, ça marche pas. Si. Non, ça marche pas chez lui. Je te bourre. Ça, c'est l'explication numéro 1, déjà. Voilà. Non, il en a pas fait qu'un de misplay en face, mais chut, on dit rien. Moi aussi j'ai misplay, t'as vu le nombre de landes que j'ai pioché? Misplay de merde, ça. Alors, en fait, il y avait un play pour lui. Vous savez qu'il me tuait? Il me tuait là, en fait. Est-ce que quelqu'un le voit? Il avait l'étal là, en fait. Il avait l'étal. Il avait l'étal. Et facilement en plus. Eh oui. En fait là, il aurait pas dû attaquer que ça, qui servait à rien. Il bloquait mon token là. Il se le snipait pour pas que je gagne les points de vie.
Et derrière, il me mettait 5. Et il avait 12, ça fait 5 et 6. Il me mettait 11 et je mourais. Donc il t'a mal joué, Michel. J'étais mort. Pour de vrai, j'étais mort. Hein. Mais c'est pour le spectacle, quoi. La remontada est réelle. L'homme qui défie. L'homme qui a défié le létal. En fait, je m'en fous. Tu me mets 6. Tu me mets 6 et 6. Tu me mets 12 et je meurs pas. C'est ça? 5 et 1, 6. Et 6, 12 et je meurs pas. Et toi, je te mets un million derrière, t'es mort. No blocks. Benfire, c'est interdit, hein. Benfire, c'est interdit. Oh là là, oh j'ai peur. Non mais j'ai peur. J'avais oublié Benfire. Mais j'étais mort sur Benfire tout court, non? Non, j'étais pas mort si je bloquais. Oh putain, tu m'as fait peur. Ça, ça sert à rien, Michel. Tu mets 4, c'est génial. Et donc, à la fin, il y a Benfire. Tu m'as slow roll un Benfire? C'est pas Benfire. Ouais, ah ouais, et c'est là qu'il faut que je négate. Ok. Négate ça? Ça sert à quelque chose, négate? On va dire que oui. J'ai pas envie que ça meure. Ne meurs pas, Micheline. C'est pas fini encore, hein. Bon, tu vas me donner ta Latlis par contre. Donc je peux attaquer avec les deux en fait. Oh oui, révélé. Oui, je révèle. Oui, je le révèle. Je révèle mes options. Oui, je garde ça. Donc en fait, je vais attaquer avec les deux. Je vais mettre des milliards. On va te mettre 4 en fait. Mais non, mais arrête tes conneries! Oh, le relou! Trop con. Oui, je le révèle. Pour faire plus d'options. Petit tricks avec Kefnet et Opt, hein. Ça marche des deux côtés, hein. Est-ce que je opte ça? Il reste une negate ou pas? Une negate. Il reste pas de negate. Donc j'ai quoi à chercher? Rien. Ok, tu l'as. De toute façon, t'es mort. En fait. Il me semble que t'es mort. Non, sauf s'il voit le tricks, en fait. S'il voit le tricks, il est pas mort, mais bon. S'il l'a pas vu une fois, il le verra plus, non? Si ça marche pas, de toute façon. Donc là, je fais ça là-dessus. Et créature. Quoi? Va-t'en. Jarte de la cafard. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Comment ça, tu me mets 2? Ok. Non mais ça brille, faut qu'il clique, il sait qu'il a perdu. Tu le sais que t'as perdu? Ah ouais. Dis oui. On est encore dans la même game, c'est incroyable, hein. Heureusement qu'il joue mono rouge, hein. Imagine, il aurait joué Planeswalker.
Écoute, je vais pas te BM. Je ne vais pas te BM. Je vais pas te BM. Non, c'était une game sympa, je vais pas le BM. Ah. 40 minutes et 18 misplays plus tard. On l'a eu. Yes. Ah ça va, j'ai compris que j'avais pas de point de vie. Hein. C'est quand même pas compliqué ce jeu. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné. Ça c'est bien. C'est plutôt pas mal ça. Ben on va continuer, on est où? 3-0, 3-1. 3-1, incroyable. Overlook 360, très bien. Une nouvelle extension qui sort en juin. L'extension qui sort en juin, ça s'appelle Modern Horizon. Et ce n'est pas pour Magic Arena. C'est pour le Magic Papier et pour le Modern Legacy et compagnie. Bref, tout ce qui ne concerne pas Arena. Et la prochaine extension de Standard ne sort pas non plus en septembre, elle sort en juillet. Jessica et Planeswalker, ça tombe bien, c'est un mauvais match-up. Alors quand je fais ça, généralement, je vois 3 Teferi. Il y en a combien ce coup-ci? Il y en a 0. Incroyable. En vrai, Sayid est un vrai problème pour moi aussi. À mon avis, je ferais mieux de lâcher, de dégager Sayid. Hein. Ouais. Parce que là, il va Narset, Minus. Et en fait, ce qu'il va récupérer avec le Minus, on va pouvoir le Soul Terrazure numéro 2 prochain tour. Alors que Sayid est token 1, on a bien vu le mal que ça nous donnait à le gérer. Alors si vous pouvez faire Narset qui récupère un des Teferi, que je te défausse, et que tu rage quitte derrière, c'est pas... Ah tu peux pas Narset. Ah mais quel clampin. Mais Michel, pourquoi tu fais des choses comme ça? T'es con? Le mec il s'est dit, attends malin, je vais gagner 2 points de vie en posant Narset. Il se rend compte qu'il peut pas le faire, c'est ça? Mais tu peux normalement, non? Faut se mettre en full contrôle, mais tu peux, non? Tu payes 1, t'as un blanc, un bleu. Tu payes 1, t'as bleu, un... Bah si, c'est bon. Il pouvait le lancer. Bah oui, pourquoi tu l'as pas fait, du coup? Qui c'est? Comprends pas. Bah écoute, tu vas me montrer, hein. Qu'est-ce que c'est? T'avais juste pas envie. Les voix du Michel sont impénétrables. Ah, tu prends blanc-bleu, puis après tu prends bleu n'importe quoi, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, tu peux, mais bien sûr, tu peux. Mais lui, peut pas. Il peut pas activer le deuxième langue? Bah si. Il paye 1, il fait 2 mana. Ah non, d'accord. Non, mais je dis des conneries. Ok, j'ai compris. Les manas ne sont... Oh, d'accord, oui, je suis trop bête. C'est parce qu'on peut dépenser mana que pour des Planeswalker. Je dis de la merde. Je dis des bêtises, je m'excuse, monsieur. Donc en fait, là, il a fait sa connerie, c'est qu'il aurait dû mettre l'autre land. Tout simplement. Ok. Ah, ça va, hein, partout. T'as fait de la merde, j'ai dit de la merde. C'est pareil, hein. Ah, tu peux pas. Mais dude! Mais reviens! Ok! Bah, ça a dû le vexer, hein, je sais pas. Ok. Ok, non, mais pas de problème. Hein.
Un F de la noire. Très bien. Chiant tout ça. Je pense que j'ai tout intérêt à dégager l'elfe là. Ça a pas beaucoup de valeur de plus qu'avec le craving. Ah, c'est pas vrai en fait. On peut faire une value supplémentaire si jamais on contre à la Jade Light Ranger, mais... Enfin, on contre, on fait Craving sur Jade Light Ranger, mais je pense que ça me coûte trop cher. Ouais, je vais faire ça. Faire ça. C'est discutable, mais bon. Ça a l'air d'être un Band, ça, encore. Band, c'est pas un bon match-up, pour le coup. Ouais, ouais, y'a eu autre. Dana! Bah oui, voilà. C'était l'état d'esprit de mon adversaire d'avant. Il a bu un petit peu trop d'hydromel, c'est ça. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, c'est mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener. Ça marche, ça? Ça va marcher, ça, contre lui? Faut bien comprendre que si je fais Dreador Invasion maintenant. Je vais prendre des minions, hein. Mais ça me permet de bloquer ça gratuitement. Ok, on va essayer. On va voir. Non, mais laisse-le tranquille. Non, mais ça fait rien, ça. Ça chie une petite merdouille qui va chum block à chaque tour, là. J'aurais bien piocher un Tyrant's Corn là. Un Cry serait bien aussi là. Un bon petit Cry là, non? Malheureusement pour nous, il y a de grandes chances qu'elle saute elle. Là. Bon. Et là, tout le problème, c'est que si jamais c'est au Stage Taker, voilà. Le fait que ça, ce soit pas des bilans, ça nous coûte cher. L'an noir là, il nous faut un marée maintenant. Marée maintenant! Ah, je vais pas le jouer, hein, tant pis, hein, vas-y. Hein. C'est chiant. Non, c'est chiant. Je l'aurais pas eu. Ça allait vite, hein. La Nissa, ça nous défonce. Éclate. Wow. Mais pourquoi tu nous donnes un elfe? Moi, je le prends, ton elfe, hein. Ok. Ah, mais c'est bon. Je l'ai eu. C'est tout? Ah ouais! Tu veux dire que t'as rien dans la main? Ah ouais, je vois. Je bloquerai pas. Ouais, faut le laisser grossir. Hein. Faut toujours laisser grossir le zombie. Là, il est 6-6, c'est le new lifelink surtout. Si là, il a rien touché, on fait commencer the endgame maintenant.
Et si je me trompe pas, il va être 6-6, on va gagner 6 points de vie. Il paraît bien. N'est-ce pas? Alors malheureusement pour nous, il a pioché exactement un removal. Pas de chance ça pour le coup. Ça c'est vraiment pas de cul. C'est un bon play mais bon. Ouais. Non, faut pas double bloc. Il faut qu'on puisse regagner des points de vie. Double bloc, c'est suicidaire en fait. Double bloc, ça veut dire qu'on va, on va mourir de notre propre invasion, si je joue bien. Je pense. C'est très bien. Alors celle-là, je l'ai pas vu venir et ça va nous défoncer. Ouf, c'est énorme ça. Ouh là là, que c'est énorme ça. Du coup. Il est mort en fait. Got you. I get you! Oui, oui. I get you! I get you! Command the Dread machin! C'est-à-dire que mon adversaire a pu chercher tous les lampes de. Du monde, donc on a eu le temps. Mais Command Red Horde, c'est ouf! Ouf!
Regardez ça. Wow. Alors, comment ça? Alors bleu rouge. Vous savez quoi? Je vais essayer de faire ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que là, en gros, on a vu qu'à chaque fois, ce qui nous emmerdait, c'est Sally. Or, Sally, c'est tour 3. J'ai aucune vraie... Ou même Teferi. J'ai aucune vraie raison de souhaiter Azur, là. Autant compte... C'était une bonne remarque tout à l'heure, là. J'avais vraiment jamais pensé comme ça. Mais là, le souhaiter Azur, il peut enlever quoi, en fait? Rien de... On s'en fout. Si on est capable de négate le Planeswalker à 3, c'est beaucoup plus important, en fait. Il a parlé de Planeswalker, qui a dit qu'on allait avoir des Planeswalker aussi. T'es un peu con, Inip. Hein. Alors là, c'est le moment où je me prends Spell Pierce. Si le gars... Déjà, je vois Opt et Stimkin, donc ça me fait peur. Là, ça me fait peur. On va commencer par là. Et si le gars, il me fait... Exactement. Spell Pierce maintenant. Ça va piquer, hein. Non, pas jouer autour de stupidité. Spell Pierce, tu le fais pas. Tu oses pas. Dive down. Ça marche. What the fuck is going on? C'était pas un Spell Pierce. Non, mais je la sentais, l'entourloupe. Ah oh, la punition ultime, quoi. La punition de l'enfer. La punition de l'enfer absolu, quoi. Comment on gère ça maintenant? Mon dieu. C'est pareil en fait, j'ai fait ça mais je suis trop con parce qu'il pouvait pas faire les... Ah, je joue mal. Je suis mort, double risque factor maintenant. Ah, je suis stupide. Je suis stupide. Je viens de perdre là-dessus en fait. Je suis trop con en fait. 4-8, je suis quasiment mort dessus en fait. Ou alors je le... J'ai été trop nul, je me suis fait brain cette game. Razur, si tu l'as en main, tu ne l'as plus en... Bah, c'est pas vrai, justement. Encore une fois, tout à l'heure, c'était vraiment un bon exemple hein, de jouer autour sur le Planeswalker à 3. Je pense franchement que c'est pas insensé du tout, la game de tout à l'heure, là. Avec Negate et Razur, quand t'as Negate dans la main, dans ce méta-là, je suis pas d'accord, en fait. La vérité, c'est mon play T3 qui était risqué. Je veux dire, il y avait un mana bleu, il y avait un Steam King, il y avait de grandes chances qu'il y avait ça. On aurait très bien pu faire Erasure, et là, c'est tout était meilleur. Il fallait faire maintenant l'Erasure. Mais les rasures T2, à mon avis... Je suis mort si je peux pas faire ça, et ça, hein, 4... Peut-être je passe à 1, génial. Donc oui, je disais, les rasures T2, à mon avis, c'était bien de garder pour éventuellement negate. C'est le T3 qui était pas bon. C'est quand j'ai vu le mana up, j'aurais pas dû tenter le cry. Je savais pas contre quoi jouer, genre... c'est pas facile de jouer autour de... Le mec, il te fait Steamkin. T'as un -2/-2 dans la main, c'est pas facile de jouer autour de ce qu'il a joué, hein. Elle est mort, là. On a rien. Est-ce qu'on a un truc qui nous sauve? Aucun rien qui nous sauve. Ah, c'était pas mal. Alors, on l'a senti venir l'entourloupe, mais c'est absolument pas évident de jouer autour de ça. Genre, c'est même ridicule de jouer autour de ça.
Mais l'autre argument, c'est à partir du moment où je vois Stimkin, dans tous les cas, je dois y résoudre parce que le danger, c'est le T4. C'est-à-dire ça vaut même pas le coup de le tuer, Stimkin. Je me le tape, je tue Stimkin, il détape, il met Chandra et Erasure, il met Chandra ou Frenzy, j'ai perdu. Donc le play T3 de faire Cry était stupide, était pas bon. Il fallait faire Erasure T3. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est pas sur Erasure non faite T2. Erasure devait être faite T3 dans ce plan de jeu-là. Alors là, malheureusement pour nous, contre Jeskai et Planeswalker, Jalan nous a dit bonjour, j'ai Domine's Veto, mais j'ai pas de land. Donc, alors 3, 2, 1, Domine's Veto ou Spell Pierce? Ou rien. Ah, j'ai pas compris. Ça me va. Comme ça. Ok, j'ai rien compris. Pourquoi tu t'es choqué dans. C'était le... Il m'a bluffé? C'était pour me bluffer? Félicitations Michel, vraiment un génie. Je vais te laisser consommer, voilà. Faut toujours faire comme ça en fait. Mec, il fait un misplay de fou, t'attends. Tu le laisses. Voilà. Non, faut lui laisser une chance de se barrer, quoi. Mon Dieu. Tu lui ouvres la porte gentiment si c'est par là, si tu veux. Rotas couche pour empêcher un. Eh ben non. Oh mon Dieu. Donc là on a le Wassi Win, c'est-à-dire qu'on va encore taper deux rares là. Minimum. Alors peut-être un proc mythique. Mais il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Mais ça marche, hein? Genre, tu pioches, tu fais rien, tu touches à rien, tu dis c'est bon, on continue. Non, ça va, bon, au revoir. Ouais. Mulligan en face. Ça me fait plaisir. Ok, on a une bonne main contre Monde Rouge, à part qu'on a plein de Gilead, mais ça c'est un détail. Peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que je vais en prendre plein la gueule. Pourquoi t'as un Scorn au-dessus de Kazdorn dans ce deck? Je pense que le duo est bien, mais en fait, c'est pas ça la question. C'est pourquoi Moment of Craving au-dessus de Kazdorn? Plutôt. Parce que c'est les instants d'envie qui remplacent les Kazdorn. Et c'est Mono Rouge la réponse. Enfin, parce que en BO1, je vais me taper du mono rouge en fait. Donc là, on a un moment où on peut tout simplement faire un méga cryo de Carnarium en prenant des dégâts. Va le faire. Le problème de ce genre de main là qu'il a, c'est que si jamais il a l'Hécatland et Frénésie et ou Chandra, on va perdre. Parce qu'on va se all tap au moment sur le cry. Et il va nous mettre le T4 derrière. Après, il y a Vanant dans Mono Rouge. Hein, ils sont pas obligés d'avoir les 4 landes à chaque fois. Donc là, il s'est mis en position Delta Cryo de Carnarium. Alors, les Gilgates, c'est cool, hein, mais. Aïe. Voilà, c'est ça qu'on veut là. Comment ça, je me réjouis du malheur de mes adversaires? Tout à fait, monsieur. Enter the God Eternals, please. S'il vous plaît, il y en a trois. Je voudrais l'entrée des dieux. Au Valhalla. Ça marche aussi, ça. Et pour éviter la frenzy, la Chandra qu'il y a dans ta main là, tu veux pas Non? Non, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Là, il rage parce qu'il a pas son land. Ou alors, il réfléchit parce qu'il a son land. Non, c'était de la rage, en fait.
Non, en fait, la question qui s'est posée, c'est est-ce que je tue Narset ou est-ce que je vais face? Et je pense qu'il a bien fait d'aller face. J'aimerais voir ce que vous avez dans votre main, monsieur. Mon Dieu! Y a plein d'horreurs! Mal joué. J'active pas Narset parce que je veux pas lui montrer le contem, je veux qu'il joue ses bêtes là. S'il joue bien, il va jouer 0 bête. Mais s'il est tenté, il va jouer le Lavarner, j'ai gagné 2 points de vie, voilà. Parce que. Nickel. Je voulais pas le tenter en fait. Ouais, mais c'est-à-dire qu'en fait, je déconnais. En vrai, j'ai envie de le poser. De le prendre, en tout cas. Pas de le poser, mais de le prendre. À toi. Ouais, je vais pas le poser tout de suite, hein, évidemment, hein. Mais après un Hunter de God Eternal, ça sera raisonnable. C'est pas le moment de le poser, hein. Là, il nous faudra une Kefnet avec le Chemister Insight ou quelque chose qui met une cloque parce qu'on va perdre la game sur le long terme. Voilà, c'est ça que je veux. Et du coup, je vais le poser maintenant. Mais je sais ce que je vais piocher là. Parce qu'il y a un petit trick avec ça. Vous allez voir. Il y a un petit trick. Ouais, il a bien Death en face. Et bon, il y a plus besoin de tricks maintenant. Non, mais je voulais trickser. Le mec, il m'empêche de trickser. Bon, bah d'accord, hein, ça va, j'ai compris. Alors, c'est là qu'il va quitter. Hein, là, il va se barrer. J'espère. Je vais le meuler juste pour la value de lui meuler des landes et qu'il décide de se barrer un. Voilà! Putain, ça c'est bon, je t'ai mis. T'es meulé deux landes, t'es la mort, hein. Barre-toi. Casse-toi, va-t'en, fuis! Donc là, prochain tour, on a le lifelink au passage. Pep, pep. Il a pas zéro land, il en a que deux. Voilà! Voilà, c'est pas compliqué, je. Non, il a pas bien pioché, ça arrive, hein. Quelquefois, ça nous arrive de notre côté, hein. On va dire ça comme ça. Cette win! Alors, est-ce que ce coup-ci, on va avoir une mythique? Mythique! Voilà, on a un proc mythique, là. Donc là, une des deux rares à proc. Alors, l'unko, c'est quoi? Un Teyo, on s'en fout. Dans un Biland! C'est nul. Alors, la mythique. Quelle est la bouse sans nom qu'on va avoir? Oh, nice. C'est une belle bouse. Non, mais c'est une belle bouse. Bah, ça avance, hein, mine de rien. Écoute, j'ai call la bouse avant, histoire que le jeu me contredise. Tu comprends, c'est psychologie inversée avec un jeu vidéo. Donc là, c'est. Oui, alors j'ai déjà un Teferi, mais c'est parce que c'est un compte bêta. Mais je l'utilise pas, je triche pas. Je peux pas. Donc là on a nos Kefnet, là, ça c'est ce qu'on a crafté. Ça c'est le truc de base. On n'a pas grand chose en mythique encore, hein. A pas besoin.
J'économise pour un draft, pas spécialement, là, je farm en fait. Là, vu que j'ai gagné deux fois, c'est-à-dire que j'ai fait 1000 gold de bénéf. Je pourrais drafter à un moment donné, mais en tout cas, j'irai pas drafter de avec ce compte. Hein. J'ai vu une nouvelle Horizon Canopy. Ça a l'air d'être bien ça. Au niveau des rares, là par contre, c'est un peu plus dur à voir de où on est. Ouais, en rare. Donc... Ça, c'est vraiment bien qu'il donne 3 War Leader là où le débutant, c'est quand même une belle carte. Donc là, ouais, c'est ça. On avait ouvert un Jace que j'avais mis dans le deck, mais après, ça me trollait trop avec le triple bleu, donc je l'ai cut. On avait ouvert Perception, qui est une bonne carte, mais pas assez bonne. On a gagné une Chalaï. Tout à l'heure, là, c'est dans le pack, je crois. En tout cas, on a une Chalaï. Comment ça le faire hein. Ça, c'est ce qu'on a ouvert. Ça, c'est ce qu'on a ouvert. Contempt, il m'en faudrait un dès que je peux, là. Ouais. Faudra un deuxième Contempt pour être tranquille dans le deck, quand même. Et ces gangs, ils sont donnés de base. Qu'est-ce qu'on a ouvert, là? De bien, je veux dire. Nissa, on a ouvert, qui était cool. Et ça, c'est ce qu'on a crafté. Ça, on l'a ouvert. Et Lugin, on l'a ouvert. Voilà. Bon, sur ce, les gens, si vous avez des questions, c'est maintenant. Il est minuit 16. Demain, il y a du stream encore. Incroyable. On refera ladder. On fera un petit peu de tout demain, comme aujourd'hui. Tranquillement. Sans stress. Tout à l'heure, on a roulé sur tout le monde en grûle dans le ladder, là, en mythique. Sur Dominaras, c'est pas bien passé, le draft. Alors pas bien du tout. Et puis là c'était fun. Toujours assez sympa le fait de monter le comment dire le compte free to play. Évidemment que c'est pas le même niveau de jeu, mais on rencontre les mêmes gens hein, dans les events, hein, plus ou moins de chance même. Bon.